Salut gang! Juste vous montrer un autre Zerker. Parce que Zerker, c'est fait sur plusieurs mouvements. Il y a même des Zerker deadlift qui se font sur des boîtes. Mais celui-là, je viendrai pas à ça prochainement. Le Zerker back extension ou Zerker hip extension, dépendant de quel mouvement vous faites sur le gluten developer. N'oubliez pas de checker la vidéo du back extension puis du hip extension qui soit clair pour que vous les expliquiez bien. Se fait aussi avec une barre, ça se fait aussi en Zerker et ça peut être un très bon exercice quand même parce que vu que vous êtes en phase, que vous êtes en bas, vous rajoutez beaucoup plus de stress là qu'un squat, vous rajoutez encore plus de stress à s'effondrer, ça renforce encore plus toute notre ligne postérieure, surtout au haut, mais aussi le bas comme n'importe quel back. Mais ça va renforcer beaucoup la ligne du haut, essayer de moins éviter et être plus forte à redresser quand vous montez. Je vais vous montrer visuellement. J'ai pas mis de plate, mais quand vous mettez des plates sur la barre, c'est très facile à exécuter. Moi, ça va paraître une petite affaire plus difficile, mais pas grand chose. On s'installe sur le fameux GHD, même position que le extension. La barre est là. Là, on voit que ma barre est vraiment trop basse pour que je puisse passer mes avant-bras dedans. Quand vous allez mettre des plates, elle va être surélevée, fait que c'est vraiment facile après ça de s'installer. Sinon, j'aurais été la chercher direct au sol. Ça va? Remarquez que quand je vais monter, je vais être tendu vers le bas et à la fin de la phase du haut, j'essaie de redresser jusqu'à temps que la barre vienne vraiment se coller à mon chest. Un autre très bon exercice accessoire à pratiquer, gang, le Zerker Back Extension. Ciao!